Ça y est, ça me revient. S'introduire dans la tête des autres, ça aussi, c'est assez marrant. Mon ancienne maison. Tu t'en rappelles pas, mais c'est ici que je t'ai embrassé pour la première fois. Encore un souvenir de bonheur extrême que Rick a effacé de ta mémoire. Mais tout ça n'est pas réel. C'est un rêve éveillé. T'es en train de manipuler mes pensées. N'est-ce pas le but recherché? Je veux dire, aussi génial que soit notre vie, on passerait à côté de tellement de choses si on se jetait pas à l'eau. Des rêves, j'en ai eu plein depuis le temps que je suis sur Terre. Suffisamment pour une centaine de vies. Je suis prêt à tout laisser tomber pour une vie avec toi. T'as apporté le remède? Ouais, je suis pas assez bête pour le laisser dans le porte-savon. Je veux vraiment le prendre, Damon. Je suis morte de trouille, mais c'est pas grave. Je le veux et je peux pas prétendre le contraire. Bien sûr que non. T'attends ce moment depuis le jour où t'es devenu un vampire. Mais toi, tu pourras pas faire machine arrière. Ça n'a jamais été trop mon style. T'es quelqu'un d'impulsif et d'insouciant. Et je suis follement amoureux de toi. Je le resterai pour l'éternité, aussi longue soit-elle. Et c'est pas prendre ce remède qui changera quoi que ce soit. Je suis prêt pour un peu de réalité, si tu l'es aussi. Je t'aime, Damon. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. En fait, j'ai une drôle de sensation. Tout a l'air succulent. Désolée. Tout d'abord. Que penses-tu des aubergines au parmesan? Ah, alors comme ça, t'es fan d'aubergines? C'est pas bien. Tu n'aimes pas les aubergines? J'adore ça. Je prends juste des notes. Des notes pour plus tard. Ah oui, pour quand? Pour notre deuxième rendez-vous? Non, je pensais plutôt à notre 5e anniversaire. Premier rendez-vous. Quoi? Oui. Damon, Damon, mes souvenirs reviennent. Je retrouve la mémoire. C'est le remède, je crois. Il a annulé l'hypnose, c'est fini. Ça a marché. Une seconde, je vérifie. Ça cicatrise pas. T'as vu, ça cicatrise pas. Ça veut dire que ça a marché, c'est sûr. Ça a marché. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Je ressens l'envie de t'en...